Eh bien, bienvenue pour ce nouveau stream. On s'était arrêté il n'y a pas très longtemps au Space Invader d'origine, le tout premier. Et on se retrouve une année plus tard, en 79, où, bien entendu, on ne change pas d'équipe qui gagne. Et donc, l'éditeur se sent obligé d'en remettre une couche pour mieux vider les poches de toute cette monnaie sonnante et trébuchante qui pourrait être allégé du souci quotidien du quidon. Et c'est donc avec Space Invaders 2. Est-ce que je vous surprendrai en vous disant que je viens d'avoir un plantage mâme au lancement? Même pas? Bon, c'est pas grave. On y retourne. Donc, Space Invaders, tu veux venir? Oh, deuxième plantage. Peut-être qu'aujourd'hui, j'ai les grâces et les faveurs d'une aura protectrice qui me dit... ce jeu est trop difficile pour toi, tu ne pourras pas le lancer. Eh bien si, je peux le lancer. Trop la folie. Alors je le fais, c'est parti, nous nous retrouvons donc en 1979, instantanément, par le miracle de l'émulation. Zwip. Ah là, on fait plus les malins, il y a de la grosse typo, il y a des effets spéciaux, et c'est la deuxième partie, ça veut dire qu'on connaît par cœur la première partie. Est-ce que j'ai déjà joué à Space Invaders 2? Eh ben, non. Non, 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 non. Alors, il me semble, non, c'est pas un... J'allais dire une connerie. Je suis en train, en fait, d'essayer d'observer, voir si la machine était en couleur, mais c'est fort peu probable. Et peut-être que l'astuce, oui, non, ils ont même émulé en fait les fameux bandeaux translucides dont je vous ai parlé dans les précédents streams. C'est-à-dire qu'avant que les écrans couleurs soient vraiment démocratisés pour les bandes d'arcade, c'était des écrans noir et blanc sur lesquels on se contentait de coller des stickers adhésifs translucides à différents endroits pour donner une impression de couleur. Et vie. Et je pense que le Space Invaders 2 n'était pas encore en couleur. Il faudrait voir si la zone du vert, par exemple, change de place. Trêve de détails, on va jouer, hein. On va voir s'il est plus jouable que son prédécesseur, ce qui n'est pas obligatoire d'ailleurs. Bip 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 bip, est-ce que je vous ai bien laissé le son? Parce que mon regret du précédent stream, c'est de ne pas vous avoir fait le psh, psh, assez fort. La zone verte est toujours la même. Ah. Alors, il n'y a pas de son, mais ça c'est mon émulation. Qui merdoie un petit peu, on va dire. Et donc, du coup, je vais vous les faire la bouche. La soucoupe volante, s'il vous plaît. Je suis chaud, là. Eh oui! J'aurais jamais cru que je rentabiliserais mon stage chez Jean-Michel Bruitage. Ah, je crois qu'il y a un... Ah, mais j'ai le son de la soucoupe volante, du coup. Ça m'a complètement perturbé. Ce qui fait que, du coup, je me suis senti un petit peu obligé de la dégommer. Donc on remarquera que l'évolution technologique entre le Space Invader d'origine et le Space Invader 2, c'est les bandeaux de couleurs. Et puis, voilà quoi. Peut-être que au lieu de tourner sur un processeur à 16 MHz, ça tournait sur un qui était à 20, à savoir. Bon, ta face. Eh oui, non mais, skillshot quoi, mon gars. C'est dommage qu'on ait pas le bruit quand même des... Oui, oui, je vous le rappelle. Alors, c'est un collègue, c'est Jean-Michel Bruitage, qui m'a initié à toutes ces astuces et merveilles qu'on peut réaliser uniquement avec les objets du quotidien. Et je dois avouer que depuis ce stage, ma vie a changé. Je travaille pour Ubisoft. C'est d'ailleurs moi qui fais les bruits de pas dans les séries des Assassin's Creed. Vous pourrez, si vous tendez l'oreille, vous pourrez reconnaître. Comment ça, je ne dis que des conneries sur ce stream? Je ne suis pas d'accord. Meurs, bouillie de pixels. Ah, toujours la même astuce de « Tiens, tu vas en buter à gauche, mais eux, ils peuvent y aller encore. » Ce qu'on appelle couramment des « en ». Je vous laisse terminer le mot. Mais bon, c'est pas très fair-play quand même sur le principe. Donc, ne pas se faire... Je vais éviter de faire comme dans le stream précédent, le fameux suicide en même temps que je flingue le dernier invader, parce que c'était d'un ridicule, j'avoue que je m'en suis pas trop remis en fait. Et j'aimerais pas que ça se répète. Oh,
L'écran rouge de la mort. L'écran qui te signale que, à partir de maintenant, on ne joue plus. Il y a vraiment des martiens qui vont mourir et vraiment un mec dans une petite fusée qui va mourir aussi. Alors, lequel en premier? Lui. Bim! Il y a une justice pour les gamers. Non, ça m'aurait vraiment fait flic que je vous fasse exactement le même coup que le stream précédent. Parce qu'on est là pour gamer, les gars. On va scorer. On va faire du gros. Pop, 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 pop. Marche moins bien avec ça. Pop, 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 pop. Non, ça marche même pas du tout. Pop, 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 pop. J'espère que vous appréciez les remixes, hein, c'est inédit. Je pense que ça sera réutilisé dans des albums populaires très bientôt, par des artistes très très connus, mais dont je préfère cacher le nom. Madonna, si tu m'entends. Et donc, Game Over, on va s'arrêter sur un Game Over, j'ai fait mes 5 minutes légales, parce que j'ai pas envie de m'éterniser sur un jeu qui est d'une époque, mais hélas, comme je voulais régulièrement signaler dans les streams, ces jeux étaient très très bien dans le contexte de leur époque. Mais y revenir aujourd'hui, ça peut s'apparenter quand même pas mal à une séance de bondage, quoi. Faut avoir envie. Walou, est-ce que vous croyez qu'on a fait le tour de tous les Space Invaders? Eh bien, détrompez-vous. Je ne nommerai rien pour le prochain stream, mais il y aura de l'espace, il y aura des envahisseurs. Ils auront chroniquement cette façon étrange de se déplacer latéralement et de descendre cran par cran, faisant inéluctablement monter la pression. Ce sera donc un Space Invaders, mais lequel? Je vous laisse deviner. À très bientôt, les amis. Sur ce, petit pouce, abo, on en parle aux voisins, et on se fait pas de mal, c'est qu'un jeu. Ciao!